vaincre l'esprit à mari et femme. Pendant que j'étais en prière, j'ai malgré mon casse, bah que Bélé bah sa victime a bien connu. Ils ont détruit ma destinée, bah que Bélé, ils ont détruit ma étoile, ils ont détruit ma vie, ils ont bloqué pendant ma vie à bah que Bélé, ma réalité à bah mari et femme. Est-ce qu'ils ont rappelé réalité? Ce sont des réalités spirituelles. Ce ne sont pas des vérités bibliques, mais ce sont des réalités spirituelles qu'on peut accommoder dans la parole de Dieu et apporter des solutions spirituelles. Hypocrisie, l'éthique. Un pasteur ne peut pas faire ça. Bien en éthique, c'est ça hypocrisie. Allez, un pasteur doit se faire saint devant les gens. Il doit se faire saint. Même la Bible dit, bah, on fait battre avec le roi de Santo. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. C'est ça l'éthique et la déontologie. Moi, je vois, je trouve ça. C'est même pas si on doit dire ça ici. Sauf qu'à une église, gloire à Dieu. Tu vas faire gloire à Dieu. Moi, je trouve mal. Toi, il y a des États-Unis, hein, parce que les États-Unis, tu as des stars, il y a gospel là maintenant. Il y a Michael Smith, avec plus de 1 million de personnes. Attends, tu as fait ça. Tu as une église, il y a Paul Yomich, Hazard, la personne qui a la plus grande église au monde, dans la culte, il y a 1 million de personnes. Tu as fait ça. Tu as une Nigeria, il y a Papa Enoch Adebo, à ça, il y a 15 millions de personnes ensemble. Mais maman, encore, tu as fait ça. Donc, pour vous dire que, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Et il y a un concert mondain, je ne sais pas. Quel esprit anime ce concert? Voilà un peu le, là où le bas blesse. Là, il y a un mot, il y a un. Deuxième, la présence, il y a célibat prolongé et en merci. La présence, il y a célibat prolongé et en merci. Toujours remarqué, moi, si dépassé 25 ans sans les mariages, à comment que bon y a liba, la suite à la déception, ainsi de suite, et dans la présence, il y a esprit, il y a mari et femme de nuit. Donc, chez la femme, c'est le mari de nuit, et chez l'homme, c'est la femme de nuit. Si, bah, tu as la postérieure, la bango, habillement sexy, habillement sexy, pensée sale, et tout qu'on sort, et puis ça a accès à mari de nuit. Et film trop pornographique, romantique, blomwa bongo, et travaramine la pensée. Bah série télévisée. Non, ce wana, ce qui a trait au sexe, et puis ça a été la porte d'entrée dans le monde où il y a mari et femme de nuit. C'est un esprit très dangereux, des mots inquibes, où Azoya et pas ya. Il y a moi si succubus, Azoya et pas ya mobile. L'esprit sera continué à vie à moto. Objectif na liboso, c'est d'aller pour polluer, pour bébé sa vie à moto. Démon, il y a mari et femme de nuit, démon, un culte succubus. Ce qui a continué à vie à moto, missionnaire principalement, c'est d'aller pour bébé sa vie à moto. La parole de Dieu, Jean. Voilà, merci et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Mesdames et messieurs, devant vous, Jérémy Louemba, les renards du désert. En tout cas, merci encore une fois pour votre particulière attention. Abonnez-vous très massivement pour nous soutenir. Là, je vois rapidement le pasteur Doris depuis l'Allemagne, Moridja Ministry, pasteur Olivier Tabala à London City, pasteur Jérémy Ntambo, l'homme de Malembankoulou, en tout cas, merci pour tout. Mesdames et messieurs, ensemble, nous allons découvrir un serviteur de Dieu qui vient pour la toute première fois chez nous. Alors, restez scotchés, branchés. Toye baye, toye bamoussa naye, puis makanisi naye. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Jérémy. Voilà, nous sommes bénis par votre présence, l'homme de Dieu. Merci. Avant tout, toye démarre mission la prière. Seigneur, te pécheur merci, te pambolio pour un moment ou pour opportunité oyo, te remettre nion sur le moment dans ma boko na yo, moli mo santo kambabiso, te telemelo eza yote na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Alors l'homme de Dieu monde dans ce bon talabiso.
Kombonani aux alliés pasteurs et assemblés. Comme on a dit, apôtre Gédéon Kaimbe, les alliés pasteurs responsables de l'église Ebenezer Mission. Les alliés de la commune Angaba, dans l'avenue Massasso numéro 6. Apôtre Gédéon. Alors, apôtre Zali, papa Batebele, papa de l'église Ebele, mais quand même, nous sommes là depuis quand encore? Moi, c'est depuis Boumouana. C'est depuis Boumouana, depuis l'âge de 8 ans. Oyo na bandi makamwanzambe na sema kula mama na biso mama abino we ma mama za avec musanze munene aza musanze munene a travailler na ba papa Idaho au Nigeria à l'époque na ba lifeline wifi international vraiment mama na biso na yambi singa yi so bat singa na molimo yende mère spirituelle na voilà ça commence bien apôtre Gédéon c'est vrai. Tout ça dans le Congo, il y a plusieurs réalités, plusieurs événements également. Alors, il y a peut-être que Moussa Nzambe, lorsque vous avez appris que moi, je suis à Moussoussou, le 29 octobre, dans le stade des martyrs, par rapport à un concert de Betamekouna, et tant que pasteur, ça choque. Vous trouvez ça normal ou bien quelque part, moi, regrette ça fait mal, hein, parce que l'Iwa et Salaga Passi, on est des Africains. L'Iwa en Afrique, ils ont la connotation ébélé. Ça dérange, ça fait mal. Mes condoléances à ma famille, à Bungisi, à Ndokonabango, suite à la catastrophe au Rwanda le 29. Vraiment, ils ont compatir ensemble. Mais ça arrive aussi parfois, dans l'église, campagne ou bien, je dirais, croisade de Mounene, tu peux accoufier. Ça, là, je me rappelle l'église. Non, les salles matin. Non, les salles matin. Oui, non, les salles matin. Attends, le concert religieusement brûlé. Toi, il est aux États-Unis, hein, parce que les États-Unis, tu as une star, il y a gospel à Makassi. Michael Smith, Azobeta, salle plus de 1 million de personnes. Attends, tu as Koufate. Donc, il y a une église, il y a Paul Yongisho. Azal, la personne qui a la plus grande église au monde. Dans la culte, il y a 1 million de personnes. Tu as Koufate. Donc, il y a Nigeria, papa Enoch Adeboye. Dans la rabat 15 millions de personnes à rassemblement encore. Dans le cas, il y a Koufate. Donc, pour vous dire que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Et dans ma concert mondain, je ne sais pas, quel esprit anime ces concerts. Voilà un peu là où le bas blesse. Parce qu'il y a la présence de mes alliés, liberté, ça la cabo, moi, les alliés. Tout le monde, verge à Aaron, il y a la présence de Dieu, mais il y a l'arche à témoignage. Verge à Oka, mais fleurir. Donc, dans la présence de Dieu, il y a le fleurissement, il n'y a pas la mort. Voilà, merci beaucoup, apôtre Gédéon. Alors, bah, tout va redécouvrir Bisso pour la toute première fois, c'est vrai. Maman Lobeza, moi, est belé. Alors, particulièrement, aux un message nini, et pas bah, chrétien, bah, croyant, bah, autant à Bisso, parce que nous sommes tous victimes d'un combat spirituel, papa. Oui. Bitoumeza Makassi. Oui. Dans ma famille, dans ma lieu de travail, et là où nous habitons, moi, bah, esprit, c'est à moi, Ming. Alors, le mot partager dans Bandeko, sur quelle matière Vaincre l'esprit à mari et femme de nuit. Pendant que j'étais en prière, dans ma lobelinga makasi, batu belé baza victime à biloko yo. Ils ont détruit ma destinée, batu belé. Ils ont détruit ma étoile, ils ont détruit ma vie. Ils ont bloqué pendant ma vie à batu belé. Ma réalité à ma mari et femme de nuit. Est-ce que ça rappelle réalité? Ce sont des réalités spirituelles. Ce ne sont pas des vérités bibliques, mais ce sont des réalités spirituelles. Qu'on peut accommoder dans la parole de Dieu et apporter des solutions spirituelles. Alors, lorsque nous dormons, tout là la rate, tout là li, au lotindo to, tout là la paix boue, parfois peu au moins la paix moute paix à, excusez-moi, à éjaculer paix ça peut arriver. Mais est-ce que y a onde ça la rate, bah symptôme y a mari toi femme de nuit. Bah symptôme à mari et femme de nuit c'est belé. Commençons d'abord par les portes d'entrée. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Marie de nuit à Kotaka, généralement, n'a pas de fantasme. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ma fille, ma zotique, ma postérieure, ma bango, ma habillement sexy, ma habillement sexy, ma pensée sale, et tout qu'on sort. Et puis, ça a accès à Marie de nuit et ma film trop pornographique, romantique, blou moi bongo. Travaille à mine la pensée. Bah, série télévisée. Nyon Sowana, c'est ce qui a trait au sexe
et puis ça et fonge la porte d'entrée dans mon lit où il y a mari et femme de nuit. C'est un esprit très dangereux, des mots inquiétants où azoya et pas y a moi si succubus azoya et pas y a mobali. Esprit sera côté na vie à moto. Objectif na liboso et ali ko polluer ko baby sa vie à moto. Démon où il y a mari et femme de nuit, démon incubus ou succubus, ce qui a continué la vie à Moutou, missionnaire principalement, ils allaient au Bible, c'est encore accommodant la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Donc, esprit où il y a mari de nuit, ta femme de nuit, ce qui a continué la vie à Moutou, ailleurs, pour la baby, ça, la vertu à Moutou, peut destiner à Moutou. Voilà. Voilà. A baby sera vie à Moutou, mais si vous savez ce côté dans notre Moutou, Moutou aussi la n'engine. D'abord aussi une question qui me semble être, je dirais facile aussi. C'est à vous de répondre, l'homme de Dieu. Oui. Alors dans l'église déjà les lots, bon peut ça sous exigence c'était pour un accoutrement à ma sœur. Les gens viennent avec des cinglés, collants, mini. Et tout ça, et comment on est passable une église? Bon, tout ce qu'il y a une église déjà n'a cinglé. Soit je marié de nuit, est-ce que. Bon, moi, t'es que. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Moto, le manzan, mais côté, alors là, t'as décemment. C'est-à-dire, on ne doit pas être là, na film, bouna. Non, il faut que vous bandiez. Non, à l'église, vous avez un moto. Le manzan, mais déchangez un moto. Le manzan, mais déchangez un moto. Ce qui m'a dit, le manzan, mais vous changez. Je reviens pour dire que l'esprit marié de nuit sera côté à polluer via moto. Vous avez remarqué que quand il y a la stérilité et belé, mari de nuit, ce qui est via mon tuto, femme de nuit, a comme ma stérilité chez la femme, chez l'homme aussi, parce que bah, tout le monde a la stérilité, pas moi aussi. Il y a aussi des hommes qui sont stériles. Il y a des hommes qui sont stériles, il y a aussi des femmes qui sont stériles. Donc, esprit, il y a mari et femme de nuit, ce qui est installé dans la vie à mon tuto, et même la stérilité. Et la frigidité, c'est la femme, mais elle a basse et belle, dans son papa, dans l'église, dans différentes émissions. Tout le monde a un problème, il y a faiblesse sexuelle, une impuissance sexuelle grave. Mais dans tout ce qu'on a là, à l'autre, il a passé un rapport sexuel dans moi-ci. Même dans la vie boyée commune, même dans la vie boyée, vie n'a bébé, n'y a ce bébé. Donc, stérilité chez l'homme et chez la femme, l'impuissance ou la faiblesse chez l'homme et la présence de la frigidité chez la femme. Mais on est dans ma médecine, c'est ma hémorroïde, c'est l'homme de Dieu. Les hémorroïdes sont posées dans la Bible, les a parmi ma malédiction. Il y a des obéissances, lui, dans Deutéronome chapitre 28, verset 14, qui dit, je les frapperai des hémorroïdes. Il y a la maladie, il y a la malédiction. Et le diable aussi profite avec ce genre de maladie pour infliger les gens qui ont donné accès au diable, non? Voilà, aussi accès au diable, puis accès à Satan à côté, à s'installer et à détruire vient. Donc, en principe, hémorroïde, c'est la maladie morale, biblique, ça. L'hémorroïde, bien noté, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et malédiction, je me mets malade d'hémorroïde. Quelqu'un qui est sous la malédiction peut aussi avoir des hémorroïdes. Ça c'est très bien. Alors, face à la caméra, bah, tout bazar bah, kaouyo. Il y a bah, mari et femme de nuit, bah, mauvais rêve, tout ça. Alors, au quoi ça bah, nini? C'est quoi la solution, remède dans nos aranini? La solution c'est Jésus-Christ, la solution c'est pas ça la délivrance. La solution c'est de rencontrer un vrai homme de Dieu qui a le mandat. Au moment où Moïse nzamba tindié précisément qu'on libérer bah, na Israël na Égypte. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a donné mandat de libération. Moussa n'a pas besoin de libérer Batou. Qu'on libère Batou, il libère Bandou, qu'il libère Batou. C'est comme ça. Dieu m'a donné mandat, j'ai un ministère de la délivrance. C'est le travail que Dieu m'a donné de faire, de libérer Batou, de posséder l'emprise à Satan, de l'esprit, de mari et femme de lui. Voilà, Chris. Alors, l'homme de Dieu, on explicite un petit peu, Batou, comprendre ce qui femme ou mari de lui, on encore en Moutou. Oye bango comment et puis ça là exactement ni na kata vie. OK. Généralement bato ba reconnaître ango na bandoto. D'abord faut ko ye ba champ d'action na bango za na buto. Mari de noza esprit. C'est juste un esprit mais quand il vient chez l'homme, il est incube. Si il part chez la femme, aza succubus. Mais era esprit mon corps. Et pour reconnaître ango d'abord un, oye ça généralement connu na bandoto ya ba couplement. Il y a des sensations, il y a éjaculation et tout comme ça. Aux autres, il y a passé rapport sexuel dans le monde. Il y a des gens qui ont été évités, Deuxième, la présence, il y a célibat prolongé et endurci.
la présence il y a célibat prolongé et endurci. Tant que vous avez remarqué, moi, si dépassé 25 ans sans les mariages, à comment que bon il y a la suite, il y a la déception ainsi que suite, et dans la présence, il y a esprit, il y a mari et femme de nuit. Donc chez la femme, c'est le mari de nuit et chez l'homme, c'est la femme de nuit. Donc femme de nuit, n'a pas eu à s'installer, à remettre la célibat prolongé, célibat endurci. Ce que paye pas Mobali, à remettre la Mobali, l'instabilité et les blocages dans tous les domaines. Déjà, il y a un autre côté. Mais ça, au moment où aux 8 ans, aux obas la tête, il y a un bazo kende. Il y a un bazo kende. Il y a un bazo qui marayo. Aux amis, il y a un blocage, une instabilité. Il y a un bazo qui raté. Il y a quelques signes où vous reconnaissez dans l'esprit. Il y a un bazo tout moi, c'est un bazo. Alors, tout le monde a appelé un concert, un artiste, un mingi sexy. On a un bazo bouger le keto. Est-ce que ça peut aussi contaminer un esprit et pas un bassi? Mais c'est une communication, non? Tant aux autres danseurs trop sexy, aux obina, aux autres communiquer, tu communiques l'envie, non? Et c'est, ça transforme aussi les esprits, l'envie sexuelle. Quand les danses sales, les danses, il y a toujours très au postérieur, au devant de l'homme et tout comme ça. Bah, bloc à bongo, quand quelqu'un est trop attiré aux danses sales, il a cet esprit, il met en lui. Alors, ça c'est bien. En dépit de tout ça, l'homme de Dieu, aux alliés. Un serviteur de deux Congolais, Lolo Tomoni, après plusieurs mois, le frère ou pasteur Mike Alambay, Ozalaki suspendu dans son église. 8 mois après, quand même, sa communauté va l'imbissier, va pardonner et puis a retrouvé chair. Après, bah, débat, moutakalisation, tout ça, Peniel, Zawadi, tout ça. Vous, étant qu'un serviteur de Dieu aussi, vous pensez que 8 mois, ça suffit pour que Mouto Dagina, sanction disciplinaire à Zong la chair. Qui l'avait établi, Dieu ou les hommes? C'est moi qui pose des questions à l'homme de Dieu. Laissons que les fidèles ou les téléspectateurs nous répondent. Moi, je pense que si Dieu l'a établi, la Bible dit que l'appel de Dieu et les dons de Dieu est irrévocable. Non, dans mon atelier place, un monsieur l'abbé, à Salim Meba. Bah, si je déplacer gaïe bah longolé nanjin bah tini na masina tout na moamba et tout comme ça. L'appel de Dieu est irrévocable. Moi je pense que je trouve ça anormal. Bah vingt un ouin de Dieu, un homme de Dieu qui est appelé, voilà, c'est Dieu qui sanctionne, c'est Dieu qui punit. Les humains n'ont pas le pouvoir de sanctionner un ouin de Dieu. Oh, attends, ça les kobo bah kangiye na flagrance l'homme de Dieu m'amène au zolo. Est-ce que vous avez des preuves que c'était lui en flagrance? Mais lorsqu'il y a la clameur, il y a public, Batoubalobi qui est aïe, il va soupçonner. Un clameur public, un avocat ne suffit pas à un clameur public. Ce sont des rumeurs où on présume que c'est lui. Il y a présomption, non? D'abord, présomption, il y a présumé que c'est lui ou pas. Moi, je ne pense pas que c'est la raison pour 26 mois ou une année. Non? Dans notre église, ceux qui soupçonnent que. Quand on a un dossier moro sale, on a le droit de faire offendre ça. Seul Dieu. Papa journaliste. D'abord, quand Dieu appelle quelqu'un, à couper ça y est, caractère. On parle d'abord, ne confondons pas les dons, l'appel et le caractère. D'abord, quand quelqu'un est bien éduqué, il sait ce qu'il va faire, non? Tout le monde que vous voyez là, ils ont des dossiers cachés. Pasteur rebellé. Tout le monde que vous voyez là, ils ont des dossiers cachés. Mais c'est ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. Au moment yango. La théologie est forcément, et la déontologie est là pour recadrer les hommes de Dieu. Bah, tu vois, c'est comme moi, je suis là, je suis à l'église. Il y a une bavure ministérielle parce que les gens n'ont pas la déontologie et l'éthique dans ce qu'ils font. Pourquoi les médecins vont étudier? Pourquoi les avocats étudient, ils font le droit, la médecine? Parce qu'il y a la déontologie dans chaque travail. Dans chaque travail. Donc, les abbés et les prêtres, ils ont une déontologie. Il n'y a pas trop de bavures. Ils allaient. Mais qui n'est pas tout le monde à rêver. Mais c'est hypocrisie. Mais c'est ça l'éthique, non? C'est ça l'éthique. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est l'éthique. Un pasteur ne peut pas faire ça. C'est une éthique. C'est ça l'hypocrisie. Un pasteur doit se faire saint devant les gens.
Il doit se faire saint. Même la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. C'est ça l'éthique et la déontologie. Moi, je vois, je trouve ça. C'est même pas qu'on doit dire ça ici. Ceux qui ont une église, gloire à Dieu. Ceux qui ont une église, gloire à Dieu. Moi, je trouve mal. Alors, apôtre, ça c'est vrai. Déjà, comme vous l'avez dit, apôtre, ça pèse lourd. Si vous remarquez bien, les jeunes serviteurs, ils plus les prophètes, les évangélistes et les pasteurs. Mais l'apôtre mingi na mboko za mingi ba ene ba père ba mutombo ba tamboluko ki yo ju kombo apôtre wana et pas nani et puis depuis quand en fait apôtre za komboté et ali investissement divin et ali ministère et ali parcelle d'autorité place na babina exercer et ali appel et ali komboté. La Bible dit nul ne peut s'attribuer de ces titres si ce n'est que Dieu qui lui donne. Donc l'apôtre n'est pas un combo na lati, ils ali appel ministériel na ngai, Dieu m'a établi apostolos, voilà. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit, ne confondons pas le ministère et le mandat. Ils ali rôle général na fonction. Voilà, le mandat ils ali fonction. Comme apôtre ya jeune baza moins rare hein, papa. Apôtre ya jeune, apôtre za jeune té. Apôtre ils ali mobenga mi ya Nzambe motina mi ya Nzambe na musika. L'apôtre Azali appelé et envoyé au loin. Nous avons arrêté pour expliquer, mais Azali apôtre. Azali apôtre, au bas de la prophétie. Non, au moins on a rappelé. Mais ça fait parmi les dons spirituels. Moni, Naza prophète, ministre, Azali apôtre, au Azali na likabu, il y a Komona, Kosakola, Azali na don, il y a Komona, au bas de la voyance. Voilà. Mais j'ai commencé depuis longtemps, je salue l'apôtre Tambuluko qui. Qui est le patriarche dans la commune où je suis, et je salue notre père, l'apôtre Mutombo Kalombo, que j'aime beaucoup. Bango pe bandeke lokola biso non, bandeke lokola biso lokola ba papa. Biso pe to bani lokola bango, to lokola pe ba papa. Donc, jeune prophète, jeune apôtre, et Zalarate. Nzamba bengi na âge ozali, to mona Moïse nzamba bengi na âge na 80 ans. Bengi na 80 ans. Non, c'est comme il faut que babenga nzamba benga ba tata te non nzamba benga ka mutu apesi charge ministère ezali mukumba linga les ko semble linga difficile ministère ezali charge ezali titre mensité ezali titre ezali mukumba ezali charge on nzamba confier mutu, c'est ça le ministère. Alors étant que serviteur de Dieu, est-ce que vous avez une révélation pour la nation, pour le corps du Christ? Il y a aussi des choses qu'on appelle ça. Le Seigneur me dit qu'on doit beaucoup prier pour 2023. On doit beaucoup prier pour 2023, surtout pour la nation. On doit vraiment beaucoup prier pour 2023. Et je reviendrai, je vous dirai, dans l'émission prochaine, pour nous avoir mis au bout de 2023, précisément la nation d'Abiso Congolais. Et dans la bataille, à la fin de l'année, il y aura beaucoup de sacrifices humains. Parce que maquille, tangamakasi, liwa et salema, événement belé, maquilla, ils ont coulé le rôle la fleuve. Donc il faut tout mettre dans la prière, tout éviter les distractions, tout éviter les sentiments, le yenge, tout se concentrer, la vie est chère, la vie est sacrée. Donc tout se concentrer pour nzambe abombabiso. Bandeko bazo koufa, ils ont erreur na bango. Bandeko bazo koufa, moi j'ai erreur na bango. Comment ça? Mais il y a erreur na bango. Et ça la mutumo ta bende makolo na bango, il y a quelque part, non? Mais est-ce que le 25 décembre peut être dans le concert à stade des martyrs? Il y a héritier Watana, mais ça jour à Noël. Il y a repé sa mot d'ordre dans les chrétiens. Moi je n'ai rien à dire, mais ba chrétien ba na bisamba kinaka, le 25 décembre c'est dimanche, to sa na église, to ko nous comme ça mais pas comme sur le 25 décembre. Ba chrétien ba ko na église. Ba chrétien ba gine, ba kufi ba chrétien na concert autour les 29. Parce que dans la preuve papa. Preuve exacte. Et preuve exacte. Oui. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct. Comprenez que nous sommes là, les aléas du direct. Alors, apôtre, c'est vrai, il y a des familles au bazar, des difficultés, des problèmes moins belés. Peut-être les bakou, comme on a la chaîne à Bissot. On reçoit pas mal de serviteurs de Dieu. Alors,
particulièrement s'il faut exhorter Bandeko Botalabiso ou ba perdre espoir depuis janvier ti novembre ba pesa ke ba prophétie ka robala aussi ba mwana aussi ba mbongo mais il y a pas vraiment un bon changement dans la vie naï ba tout baza na ba situation wana s'il faut leur exhorter ko bisa bangoni croyez en Dieu. La Bible dit vaut mieux la fin que le commencement. Tokominasuka, mais ce n'est pas encore la fin. Jésus-Christ s'élèvera pour vous. Ne perdez pas espoir. Boni menanzambe, n'abandonnez pas la foi. N'allez pas toujours fétiche. N'allez pas faire des trucs qui sont des vices contre nature pour avoir de l'argent. Mais espérez en Dieu et il y aura des surprises agréables. Onzambe Sabino. C'est pas encore la fin. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut si mouton message prophétique après s'est concrétisé? Dieu m'a dit à mon mais après l'homme a vu les amis. Pourquoi l'attention des gens est sur moi, surtout sur les pasteurs? Et ça, ma politicien, le pasteur n'est pas mon papa. Il y a aussi des politiciens qui ont appelé ce projet de société naïe, amis ensemble à Saint-Léon. Mais maman Zambé est différent, papa, quand même. Ils sont tous des hommes publics. Ils sont tous des hommes publics qui ont l'éthique de concrétiser ce qu'ils disent. Et ça, comme pasteur, en fait, on peut pas remettre les chapeaux à tout enseignement au pasteur. N'a pas politicien, n'a pas pasteur, baza ba gens publics, baza ba tuya population, baza ba leader d'opinion. Ce sont des leaders d'opinion, baza ba leader d'opinion. Il faut pas concrètement balobara. En parlant de la prophétie du message, quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu parle, il confirme, il concrétise ce qu'il dit. Quand Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé. On peut pas. Quand Dieu n'a pas parlé, papa, il n'a pas parlé. Quand Dieu parle, il confirme. Qu'est-ce que la Bible dit? Je confirme la parole de mon serviteur et la prédiction de mon envoyé. Quand Dieu t'envoie, quand tu fais une prédiction, Dieu doit faire quoi? L'accomplir. Maintenant, au moins, on peut se mettre une prophétie. Nous avons pas il y a deux choses. Soit Dieu n'a pas dit, soit tu as un accomplissement. Et quand il quitte, Moussel, il n'a pas dit bien. Alors, j'ai dit, dans une année, dans deux ans, ainsi de suite. Voilà un peu. Voilà, ça c'est très bien dit. Le numéro de l'homme de Dieu est affiché au bas de vos écrans. Pour plus de contacts, messages, prières, orientations, pensez-moi au numéro de téléphone de l'homme de Dieu. Numéro de téléphone, c'est plus 243-999-071-735. Il y a un affiché dans l'écran. Bonjour, bien abisso. Pour avoir un problème dans nos particuliers, précisément, la bandeko, l'autre, la mari, femme de nuit, bateau, baza bloqué, bas sur le bout, raté, mi balo, baza impuissant, baza problème, faiblesse sexuelle, chance qui maillot. Dieu nous a envoyé pour prier pour ces gens de cas et délivrer les gens pour la remettre bango, na bonheur, na bango, et bah mon Jésus Christ. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci à Mimi Ndoumé depuis l'Allemagne, Luzomba là de Madrid. Le vieux Gérard Saddam de Manchester, Maître Siza Souka, ma puissance ami Kili. Merci à tous nos abonnés, en tout cas, hein, les célèbres Dien Zundu de Washington, Maman Fifi Longo à Londres, donc Bouza et Bélé, Maman Florence Lévy à Paris, et merci aussi à notre boss Chicha Chimbo en Turquie, donc. Merci encore une fois pour la confiance, la fidélité. Maman Grâce en Belgique. Aujourd'hui en Abisso, nous avons à Pambolayo. Ma grâce me suffit. Maman Grâce en Belgique, nous avons à Pambolayo. À Pambolayo, nous avons à Pambolayo. Nous avons à Pambolayo. Nous avons à Pambolayo. Voilà. Abonnez-vous massivement sur Équilibre Télévision. Partagez et commentez l'émission. À nous revoir très prochainement. Nous sommes menacés par la pluie. Bambou, l'homme de Dieu. Et aussi, nous avons des dégâts. Nous avons des coups. Nous avons des choses. Et ça spirituel ou bien comment? Parce qu'on a vu le jour où il y a concert à Fali, c'était annoncé que Mboule bête, mais Mboule bête maté. Puissance à Fali, quand Mboule, mais bien, pasteur, Mboule est bête, ils ont perturbé nos culte. Comme il s'est fait autant de lits, il s'est fait autant d'habitude. Eli était de même nature que nous. La porte à Mboule, quand Mboule a mal ébélé. C'est vrai? Oui. La porte à Mboule, quand Mboule a mal ébélé. La porte à Mboule, qui est le patriarche de Ngaba. À Kangamboula Mbalebele, Benson Idao, à Kangamboula Mbalebele, Naipé, à Kangamboula Mbalebele. La croisade n'est pas en plein air, Mboule, 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 Mboule
et mboule les autres pizzas purifiées, ils ont fait bêta. Mais il y a trois grands mboules où ça là-bas déjà ça m'a cassé. Ça m'a dit singa, bas la très prudent, mingi le sambo, bas contacter Bisso et particulièrement dans le moment mais belé en privé na bateau, bas si même bas ben Bisso, ils ont bâti le beau repas là-bas. Voilà, le message est lancé, nous sommes ensemble pour de vrai. Chris Mbaya derrière la caméra, Doya Moulumba en États-Unis, merci. Nabandeko ya Afrique du Sud, Angola, Brazzaville, un peu partout. Bon, mais ça la route à l'Abisso en tout cas. Le travail continue, nous sommes à Kinshasa, la capitale de l'RDC. Jérémy Louemba, les renards du désert avec l'apôtre Gédéon, voilà. Baba à suivre et au prochain numéro. Voilà la troisième partie. Tout ça bien et bien. Tobimi maintenant dans Macadam. Direction vers Willery. La bateau Baïbinzela. Direction vers Willery. Oui, ça, direction vers Kipwanza. Tout ça va déjà. Bonjour, comment est-ce que. T'imbécile, hein? Imbécile, aïe, t'imbécile, balobaki trop, mais balobaki bien été, yé, yo, yango, les lots, yo, yo, Marty, Bayoki. Eza, Oinda. Ah, la penda, les lots, Eza, Oinda, la sepeli, penda, mingi, la moni, di capri, donc, y a le bel à coup, tout est. Et belé, bah, du coup, tout somme, Eza, Teza, donc, de cité, Teza, normal, te sepeli, à mingi, capri. Et Rotonda? Naza si penza rotonda fona tamboni tout en tour na moni penza plein batu baza bersi na bersi ne moka lobaka OK na se peli penza aigle musala penza zali aigle ta le monsieur Lori Paul Lelo a ouvert la concert message zani na se peli penza mingi ba fanatique na eba nini nyoso yo pesa engoluka ka amata tili kolo penza e moko ndenga lobela kutu aigle azali aigle. Oh, on est en train de se faire bien. Voilà l'ambiance. Voilà l'ambiance. Waouh. Samo. Et voilà, Samo. Viens la commenter. Bravo à l'artiste. Bravo. Tolingi est relevé de filles. Voilà, Tolingi est relevé de filles. Et fait sa courage. Stade Oyo. Et ça n'a pas la batounia surtout Babeta Rango. Bravo à Fali Koupa. Il a osé. Mais plein en haut, Boluka qui déjà en haut. Félicitations, coup de chapeau à Fali. Coup de chapeau à Fali Koupa. Handicap, la merveille. Déjà la 4 Kuna. Tu as déjà la chance, il y a 70% de la taille qui est dans mon lit. Ça va déjà, il est 14h. Ça va. Ouais. La carte là, ça va. Donc 70%. 14h, 70% déjà. Il y a un Wario. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Quelle est votre présence ici? Bon, je suis venu pour voir notre vie Fali Koupa et les Capillos, la merveille. Les gens qui ont été en train de se faire marcher dans le monde. Oza Wario ya komini. Naza Wario a yakan kokulu. Oh, bana ba soda. Ya biso de ba soda yo. Oh, bana ba soda ba Wario. Ya biso ba Wario. Oh. Oh kota. Ni na mona biete. Ah bien ba tamo na somba te ronse kona fi so abu na kopi yango. Mais si ko nga on konsa awa, ba tutu o mona bona billet. O raté concert là. O raté concert, wala faut que ne ba station na biso ezali susu. Je suis là qui est en mais au côté, non? Au côté. Voilà. Bien, on appelle ça, on a accès à la pelouse. Merci. On comprend? Donc, la somba qui est en kabola qui est en train de se faire. Mais juste pour faire un peu de trois personnes qui sont là. Mais on a choisi de faire ça. Ta façon de parler, ça ira bien.
Donc voilà. Nous avons des balais le bagage. Ça, 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 mais attends, c'est un stade. Attends, ici déjà. 70% déjà, battu déjà Basali. Déjà 100%. Non, tout ça 70 plus A déjà, c'est à 100%. Bon, collecteur, bah, ça, wana. Ok. Oh, Fali du Cap. Ah, bah, là bien, au bon année, Tonini. Au bon année, on va vous tonner. Papa, on va voir, on va voir, ma génération, la bango. Mais yo, na moni au moins, vous êtes plus âgé. On a conduit 63 ans. Na ye musique à moi. Mais ce qui est moi, c'est que on est ndimaye. Mais on a bien, on a 14 ans, il y a 18 ans, il y a 28. Pour nanine. Nous avons une carrière na ye. Ok. Et ça, ma kamounaye, pour tika ya sala. Faut te mettre les mabongo. To wanga na te. Et ça, génération na bango. Pour tika moi, na sa moussala na ye. To bo inde, ma kamoua poutou poutou mi yibi, banine te. Derrière moi, on a dit que ça nous en aille à Zali Vedette internationale. Parce que à ça, je dis que d'or il y a solo solo. Et là, on a la pétale ma boko yangwana. À je dis que d'or il y a solo solo, tu mets moi ma boko. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Très, très bien. Voilà devant Stade de Marty. Bande de rebelles, babé nana. La voyant babinoté vraiment, bosquizena. C'est qui encore? Voilà, nous sommes en direct. Ah, nous sommes en direct. Richard Robalaye, caméra. S'il y a moyen. Comme on a un engouement total. On est là-bas? Impression. Papa, on est là-bas? C'est le Olipola, maman. Voilà, comprenez. Impression à Batou. Balinga va compter à tout moment. Va compter à la moment tout. L'occasion de surtout, va compter en balamoko. Va compter en balamoko. Bango tout. Bon Nimelanga. Il y a des milliers de fans. Oyo. Baton Niawa. Moyen pour compter à terre. Dieu a mousé. Voilà. Oh là, Mouké, tu as mousé. Dieu a mousé. Mouké. Voilà. Non, mais je suis très content. Fali, okay. C'est un garçon que j'aime bien. Voilà. C'est un garçon très poli. Très bien. Et Nzamba Sunga, musique n'est que Liboso. Voilà. Tu sais, Fali, tu sais, Fali, tu sais, Fali, tu sais, Fali, tu sais, génération, il y a 25. Juste dans ma génération, je suis chrétien, c'est vrai. Mais dans ma génération, il y a Zaïko.
Depuis son Wera, JB, tout ça, même génération. Ce qu'on fallait, c'est que les gens sont en Abisso. Il faut soutenir la musique qui est en Abisso avec la musique qui est bientôt la Bendel et en Boka. Nous devons être des vrais Congolais qui soutiennent de bonnes œuvres. Pas dans ce système de Bao, comme ça, choix X, Y, T. Ils ont les Kambou, il y a Bendel et en Boka. Nous devons les soutenir. C'est un garçon très poli qui joue bien, qui fait bien sa musique. Nous l'encourageons. Merci papa. Je vous en prie, merci. Ok. Voilà les Warriors. Voilà. Je pense que là maintenant. Et on va making off. Voilà. Voilà. Les Warriors. Voilà. Aux hommes on a déjà. Bango déjà. Et Bango on a déjà. Voilà. Et ça Rohinda. Ça va chauffer. Tout feu, tout flamme. Lélo Rohinda. Il y a des gens qui plaisent à l'enquête. Il y a des gens qui sont déjà. Il y a des gens qui sont déjà. Pour plaire, il y a des gens qui sont déjà. Il y a des gens qui sont déjà.